3, 4. Sending out un SOS, sending out un SOS. Eh oui, tu n'es pas dans le plus pourrave des karaokés du monde, mais tu es dans une nouvelle tentative de nouveau numéro de The Big Gameowski. Eh oui, ça ne s'arrête jamais, c'est incroyable. Alors, on dirait que ce gars-là doit avoir des trucs, des astuces, des machins de vieux connaisseurs, vu la roublardise et les kilométrages affichés au compteur. Eh bien, je vous dirais tout simplement sans détour, oui, j'en ai plein. Et j'ai largement prévu le coup en accumulant plein de streams que j'avais préenregistrés. Et là, on repart pour une nouvelle série, parce que j'ai décidé que je ne m'arrêterai jamais de faire chier le monde. Car vous savez tous que ces streams sont là pour vous faire chier. Mais aussi vous faire découvrir des jeux, hélas, et aussi d'autres formes d'amusement, que sont les shmups en particulier. Et donc ce soir, on retourne ben, dans des années que... Est-ce que je vous spoil ou pas? Ah oui, c'est des années, c'est ben, 1980, quoi. The Police, regardez en dessous, regardez les coupes déjà. Rien que la coupe, t'es là, tu fais... Bon, et tu sors. Ok. Je vais vous faire voir le truc, c'est beaucoup plus simple, ça va être très explicite. Je pense que ce soir, ce stream va se passer de commentaires et de détails inutiles. Puisqu'on va toucher vraiment la fibre de l'arcade dans les années 1980. Et pour cela, j'aurai besoin d'aide. Je vais appeler à l'aide en criant SOS, au secours. Où est mon premier fail de stream? Ouh! C'est un peu fort, mon garçon. Et je n'ai pas l'image du jeu. Je suis déçu. Je vais être obligé encore de meubler le temps de trouver ce qui merde. Mais vous connaissez mon talent quand même, qui est relativement... pas mal foutu pour arriver à meubler avec de la merde, certes, mais ça marche quoi. Voilà, à l'aide. Oui, c'est le thème du soir. Donc 1980, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a un écran qui est chatoyant de monochrome. Et donc nous allons nous taper un shoot vertical. Oui, c'est un shoot, mesdames, messieurs, mes amis animaux. Et donc... J'ai peur, j'ai très peur, j'ai très peur. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une super bombe et de remonter son shield. Non, si. On y va. Attention, il vient droit sur toi. Putain, je suis bourré, je tire pas droit. Ah! Non, mais regardez-moi ça, je tire pas droit. Alors, j'ai pas compris selon quel facteur. Alors, peut-être si. C'est incompréhensible le tir qui part soit droit, soit de travers. Ouais, j'arrive. Charlie Tango, ouais, je suis là, regarde. Putain, comment je l'ai ramassé? On ne sait pas ce que j'ai ramassé, mais on a tous imaginé des trucs. C'est un peu comme le premier Alien, en fait, c'est très conceptuel. Faut prendre ce jeu à ce niveau-là. Je vais rebaisser son son dès que j'en aurai l'occasion, parce que je pense que... C'est vrai que la musique est assez bonne, hein. Alors, j'espère que c'était pas vraiment ça, c'est juste un bug de mon émulation, parce que... Ah, j'ai explosé. Dans une tragique boule de feu. Noir. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh putain, ce tir. Et j'espère que c'est les 2 pixels du cockpit, ma hitbox, et qu'on peut ralentir avec une gâchette pour que je me faufile entre les. Attendez voir, je réfléchis. Mais non, tir. Ah, je t'ai chopé de justesse, toi. Je sais pas qui t'étais. Donc voilà, en 1980, on savait rigoler, on savait s'amuser, on savait faire le party time. On était. Des full gamers of the death avec nos machines d'arcade haut de gamme. Non, mais lui il va crever en fait. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Regarde, n'insiste pas, je suis bien mieux. Alors, certains vont me dire oui, mais tu me disant, tu vas voir si tu continues encore un peu. Il va y avoir un buzz. Alors là, je peux spoiler. Parce que là, c'est un petit peu comme le. Vous savez, le fameux jeu du bus qu'on conduit dans le désert où il n'y a jamais de fin. Eh ben c'est pareil. Oh là là, la hitbox laisse tomber. Je me suis tapé un gros rire. Et en fait, le principe, oui, c'est le même que le Desert Bus Driver. C'est-à-dire, ça ne s'arrête jamais. C'est monotone. C'est même pas difficile. En fait, le plus dur, c'est de ne pas s'endormir, tout simplement. Donc, SOS, ben voilà, vous savez que ça existait. Vous savez qu'il y a peut-être des gens qui se sont fait avoir, hein, qui ont mis des pièces dedans, on va savoir.
et que le but du jeu c'était de ne pas mettre de pièces dans cette espèce de grosse merde, parce qu'on va appeler ça quand même par le nom que ça peut porter, qui franchement nous renvoie au stade rectal du schmuck. Donc voilà, ce jeu, je peux même pas essayer de trouver des prétextes, c'est que d'origine, ce jeu était chiant. Dis-moi que je suis game over. Oui, dis-moi que j'ai fait mes 5 minutes légales. Oui! Ah, c'est un dur engagement que j'ai pris de vous streamer à chaque fois minimum 5 minutes, sans remplir uniquement de merdouille d'ailleurs. Voilà, vous saurez ce que c'était SOS, vous saurez ce que c'était un jeu dans un bar en 1980, et vous saurez ce que c'était le risque de mettre des pièces dedans. Par contre, vous ne saurez jamais que ça n'était pas addictif du tout et que ce jeu-là n'aurait même pas dû exister. Voilà. C'était le stream du soir sur The Big Gamoski. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez faire vos suggestions, vos commentaires. Il y a de la place pour s'exprimer si on regarde autour de cette fenêtre. Tu vois, là en bas. Ouais, c'est pas mal ça. Et puis, vous pouvez surtout me suivre sur Twitter, parce que maintenant, on a monté un petit compte Twitter où il y a beaucoup plus d'infos, y compris les jeux en promo, les plans gratos, enfin, pas mal de trucs qu'on chope au fur et à mesure. Ça, c'est le chat qui est en train de faire des exploits. J'y reviendrai un autre jour, ce sera rigolo. Et donc, abonnez-vous à cette chaîne Twitter, c'est The Big Gamoski, tout collé avec l'arobase devant, vous trouverez sans le moindre problème. Sur ce, je vous embrasse et je vous promets que pour me faire pardonner, je streamerai un jeu récent juste après. Promis, juré. Ciao.